tout mon bonheur se passe là devant ta face. Y'a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes. Dans la joie de mon âme, tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur ancien. Envahi en ta présence, mon âme se répand. Épanouie quand je m'approche dans ton sanctuaire. Plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité. Plus tu avances vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi, ébloui, la gloire. Dans ta présence, mon âme se répand. Épanouie quand je m'approche dans ton sanctuaire. Plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité. Et plus tu avances vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, ébloui, envahi, envahi, oh, ébloui, ébloui, oh, envahi, envahi. Peuple de Dieu, préparons-nous ce soir à être éblouis, envahis, comblés, transformés, renouvelés. Peuple de Dieu, préparons-nous ce soir à être remplis, sans mesure, éblouis, transformés, touchés, bouleversés par sa seule présence. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé. Est-ce qu'avec nos mains levées, nous pouvons commencer à saluer la présence de Dieu et lui dire merci d'être au milieu de nous ce soir? On peut aussi prendre ces deux mains, les joindre, commencer à clamer et aussi ouvrir nos bouches, commencer à pousser des cris de joie parce que Dieu est au milieu de nous ce soir.
parce qu'il entend nos prières et qu'il connaît le besoin de nos cœurs. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie parce qu'il s'agit de Jésus de Nazareth? Merci pour ta présence. Élevons nos voix, bénissons sa présence. Nous bénissons ta présence. Approchons de Dieu. Dieu est ici ce soir. C'est le meilleur moment de l'exprimer notre foi. Si tu crois qu'il est là, parle-lui comme quelqu'un qui est là. Oh, tu es là, mon Emmanuel. Tu es là, tu es ici. Je sais que tu es là. Amen. Brade, la beya kara brada la madia. De sa présence te prendre en charge. Tu es dans la maison de ton Père. Il va te prendre dans ses bras et ce moment va être inoubliable. Il va te mettre sous ses ailes et il va t'amener très haut, très haut, très haut, très haut. Ce soir, c'est un soir de rencontre, un moment d'intimité. Laisse-le faire. Dans mon cœur qu'on doit accueillir vraiment la présence de Dieu de manière honorifique. Ça doit être des acclamations qui vont rester continues pendant le moment. Prépare-toi à acclamer pendant longtemps. Prépare-toi à exprimer la reconnaissance de la joie pendant longtemps. Prépare-toi à mettre des cris de joie pendant longtemps. C'est vraiment pour Dieu que nous le faisons. C'est une façon de dire qu'il est là au milieu de nous. Ça dépend de comment on l'honore. Si on l'honore en tant que roi, il sera roi. Si on l'honore en tant que guérisseur, il guérira les malades. Si on l'honore en tant que l'omniscient, il parlera jusque dans les moindres des détails. Si on l'honore en tant que père, il répandra son amour dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut honorer Dieu ce soir? Ne te laisse distraire par rien. Juste tes deux mains, rassemble-les.
Va très fort avec tes pensées tournées vers lui en disant, c'est à toi, c'est pour toi, c'est pour toi que j'acclame, c'est toi que j'acclame. J'acclame comme celui qui vient d'entrer. Oh, comme celui qui vient de marquer un but. Il a marqué un but, tu ne le vois pas, mais il vient de réaliser quelque chose dès le début. Dès le début de cette réunion, il a commencé à réaliser des choses. Laisse jaillir cette joie, laisse jaillir cette reconnaissance. Nous sommes déjà arrivés à la fin dès le début parce que nous savons comment il finit ce genre de choses. Bandaraboye, biso tozo baluka peme na Jericho, yazo ko isamuye, biso tozo beta milolo, yazo buka bifelo. Jésus, 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 Jésus. Pour ce que tu as fait avant qu'on ne demande, pour le déploiement que tu as déjà assuré avant que nous puissions identifier nos vrais besoins, pour l'anticipation de Jéhovah Jireh avant qu'on arrive à la montagne, le bouquet est déjà prévu. Ah, c'est pour ça que nous acclamons. Seigneur, ton amour ne faille jamais, tous les jours. Dès que je me lève jusqu'à mon coucher, j'ai vécu en la bonté. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits. Reste près de moi. Je
te connais comme un père et comme un ami. Chante la bonté Dieu. Chante Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Chante le nom de Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé. Chante encore Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante à pleine voix Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. De toute force, confesse Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Je connais le nom que je confesse, c'est Jésus. Jésus, 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 tu es élevé. Rien, on peut s'attendre à rien ce soir si Jésus n'est pas encore élevé. Il faut donc qu'on prenne tout notre temps avec ça. Oh, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Oh, Jésus, 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 Jésus.
t'élévant plus haut. Jésus, nous t'élévons plus haut. Des paroles, élève Jésus. Je sais que tout ne va pas comme tu le pensais, mais Jésus est Seigneur. Je sais que tu as beaucoup de choses à lui demander, mais il est Seigneur. Je sais que tu as beaucoup de programmes, mais il est Seigneur. Ne regarde pas vers tout ce que tu as demandé, regarde vers le roi de gloire, Jésus, Jésus. Plus haut, nous élevons ton nom, Jésus. Il faut choisir devant qui tu vas fléchir. Vas-tu fléchir devant Goliath? Il n'est pas aussi grand que ça. Ne fléchis pas devant tes problèmes. Fléchis devant Jésus, 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 Jésus. Je suis sûr que tu ne manqueras pas de choses à dire sur tes problèmes. Comment tu manques de choses à dire à Jésus? À Jésus.
Jésus. Des paroles pleines de charme bien dans mon cœur. Je vais dire à Jésus des choses qui sont sincères. Ça vient du fond de mon cœur. Jésus, je t'aime. Et tu sais comment je conjugue ce verbe. Tu sais que je le conjugue à la manière des hommes. Avec les faiblesses de mon corps, je t'aime. Avec les limites de mon intelligence, je t'aime. À la limite de ce que je vois et de ce que je ne vois pas, j'aime l'invisible Dieu qui a comblé mon cœur et qui a rempli ma vie des parcours et des preuves de sa réalité. Quoi que je ne te voie, tes œuvres sont pourtant palpables. Je t'aime, Seigneur, et toute ma vie tu as été si bon, fidèle, et toute ma vie, même dans les épisodes les plus sombres, ta fidélité a été une lumière. Dieu fidèle, comme toi, il n'y en a pas deux. Tu n'es pas dans une liste, on ne te cite pas à côté de qui que ce soit. Mon Jésus, mon tout, mon absolument parfait. Jésus, Jésus, au-dessus des critères que les hommes peuvent donner, au-dessus des capacités que les humains peuvent démontrer, tu n'es pas dans leur liste. Jésus. Autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Jésus prend ta place. Prend ta place. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent ce soir. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait toi. Jusqu'à ce qu'il y ait toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus. Vota kutude, élection kutude, ya ya eh. Parlement kutude, élection kutude, mbona kwende na yo. Campagne batate, bonzambe na yo, contradiction ezalakate.
Alléluia. 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 To vota kutute, réunion kutu mon côté, et salama bona yo. Nepotisme kutute, tribalisme kutute, aya ozala kase yo moko. La gangi humela. Mosala na moto bacha na suka ya liste oleki bango na kolokota mpeko pesa bisika o moto akana kite oleki bango yango na tato ni humela 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 ya yana humela Bango, bango en toutes choses. Ole ki bango, ataba sangani bango nyonso. Ole ki bango, nakozongisa kimya na motema moto, wazala kina bapota. Ole ki bango, nakozekwisa. Santé à moto, à mes anaka, à la naba qui s'y est. On est qui va moi. La cosongisa. Libala ya bato, et comme à qui coca buana. On est qui va. La tatoli.
véritablement ce que tu dis de toi-même. Tu ne nous flattes pas quand tu dis que tu es tout puissant. Ah, tu ne nous flattes pas quand tu dis que tu es omniscient. Tu ne nous flattes pas quand tu dis que tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu peux tout, tu es partout. Tu ne nous flattes pas quand tu parles de toi-même. Tu n'arrondis pas les angles, tu ne gonfles pas les chiffres. Tu es réellement Dieu, éternellement Dieu. C'est simplement vrai tout ce que tu dis de toi, Jésus. C'est simplement vrai. Ah, ta présence en ce lieu. En ce lieu. Tu es là, ça fait toute la différence. Tu es là. Tu es là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez amené comme problème ce soir. Mais si Dieu vous disait deux choses seulement, quelles sont les deux choses que vous voudriez présenter devant lui? On va commencer par la première. Nous venons dans des temps comme ça pour prier. Pas pour regarder ce qui va se passer. Pas pour capturer un peu de l'atmosphère et ramener à la maison. Nous venons pour une rencontre. Dieu, il est là, ici, avec nous. Alors, deux. Regarde tout ce qu'il y a. S'il fallait seulement deux choses. Pasteur, j'ai beaucoup de choses à demander. Mon frère, je suis presque sûr, ma soeur. Tu peux le résumer à deux choses. Si lui, il peut résumer toute la loi en deux seulement. Mais ne va pas vite. Vas-y calmement. Ce serait quoi? Commence avec la première chose. Parle-lui parce qu'il est là, juste à côté de toi. Commence à parler d'abord à Dieu. La première de choses, c'est quoi? C'est la famille. C'est les parents, c'est la maison, c'est ta santé, c'est quoi? Commence à parler. Seigneur, je suis devant toi. C'est où? C'est ta vie spirituelle, émotionnelle, ta santé, c'est professionnel, c'est ton intimité avec Dieu. C'est quelque chose qui se passe dans ta famille. La première des choses, c'est quoi? Tu as Dieu devant toi. Tu as Dieu devant toi. Tu ne diras pas qu'il n'était pas là.
de lieu sans lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près, au loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout, mais tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Jésus seul, il est là, dans mes combats, il est là, dans mes victoires, il est là, dans mes défis, il est là, dans mes déboires, il est là, où que j'aille, il est là, à côté de moi. En moi, partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Vas-y, insiste, insiste, insiste. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Quand ça brûle ou ça crie, il est avec moi. Quand ils sont là, armé jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici, présent avec moi, Emmanuel. Hey, Tarababa, chétez les mots. Vas-y, insiste, vas-y. Laisse l'esprit t'amener à aborder le même sujet, mais autrement. Laisse l'intelligence de côté. Laisse l'esprit t'en faire aborder le sujet autrement. Famille, quand je suis pas là, il s'occupe de mien quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes sangs. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, il s'appelle Emmanuel.
avec moi. Emmanuel, je peux sentir en moi Emmanuel est là, ici présent avec moi. Allez, Abba, allez, achetez la gloire. Si tu n'as plus de mots, parle langue. Il est possible que tu ne sais plus demander, tellement tu t'es plaint, tellement tu t'es soucié. Tu ne sais plus l'art de demander. Tu commences à mélanger doute, vol. Laisse l'esprit parler en toi quand tu ne sais plus dire ce que l'esprit t'a dit. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui sur le toko si ce n'est pas pour venir exposer ce problème? C'est pour de temps comme ceci que tu as enlevé tes chaussures et que tu n'es pas sur une chaise mais sur une natte. C'est pour de temps comme ceci que tu as bravé les embouteillages. Qu'est-ce que tu étais venu faire? Ça, là. Réponds ton cœur devant sa face. Juste la première chose, n'entends pas encore la deuxième, juste la première chose. Regarde-la selon l'angle de Dieu. Regarde ça, la chose selon l'angle de Dieu. Comment Dieu, tu vois ma situation? Regarde, moi je vois ça, j'appelle ça chômage. Comment toi tu vois ça? Dieu, donne-moi de voir ça comme tu vois ça. Moi j'ai un nom que je donne à ce que je vis. Toi tu appelles ça quoi? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Si tu voyais ce qui se passe, si tu savais ce que tu passes, c'est parce que tu sais comment moi j'appelle ça. Si je ne te vois pas agir, ça veut dire que tu appelles ça comment? Parce que moi j'appelle ça d'un autre nom. Change d'angle de prière, ne prie plus de bas en haut, commence à prier de haut en bas, commence à prier selon le regard de Dieu, commence à prier comme un aigle qui perce les situations, ne prie plus en te plaignant, limité par l'intelligence humaine, puise dans la haute sagesse de Dieu, puise dans la révélation de Dieu. Dieu, comment tu vois ça? Dieu, pourquoi tu regardes ça comme ça? Donne-moi de voir ça avec tes yeux. Donne-moi de voir ça avec tes yeux.
Donne-moi de regarder ma famille avec tes yeux, ma femme, mes enfants avec tes yeux, mon pays avec tes yeux, l'entreprise avec tes yeux, mes frères et sœurs avec tes yeux. Je veux le regarder comme toi tu regardes. Moi je regarde et je suis fatigué. Moi je regarde et ça fait pleurer. Moi je regarde et j'ai mal au cœur. Comment tu continues à regarder ça? Comment tu gardes espoir? Moi je regarde et j'ai perdu espoir. Moi je regarde et je n'ai même plus envie de regarder. Moi je regarde et ça me fatigue. Qu'est-ce que tu fais avec mon âge? Moi je me regarde et je me fatigue. Qu'est-ce que tu fais avec ma situation? Moi je la regarde et j'ai dit j'en ai marre. Dieu, donne-moi de regarder ça avec tes yeux. Alors j'étendrai mon espérance. Alors j'allongerai mon attente. Alors je me réveillerai avec foi. Alors j'affronterai cela avec décision. Alors je serai rempli d'autorité comme toi. Je veux le regarder avec tes yeux. Il entend toujours les prières. Il entend toujours les prières. Des fois, on affronte la prière à la va-vite, on ne prend pas le temps de réfléchir. Chaque fois que tu pries, dis-toi que Jésus t'a posé la question comme à Bartimée, que voudrais-tu que je fasse? Ce soir, il t'a dit, que voudrais-tu que je fasse? Et il a demandé deux. Nous allons maintenant aborder la deuxième des choses. C'est quoi la deuxième des choses? C'est quoi? C'est dans quel domaine? J'ai une bonne nouvelle. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne puisse pas faire. Rien dans les cieux qu'il ne puisse pas faire. Rien sous la terre qu'il ne puisse pas faire. Il est le seul devant qui passé, présent et avenir défilent au même moment. Il peut corriger les erreurs du passé pour améliorer ton présent et ton avenir. Il est le seul qui peut le faire. Alors apporter ton problème chez lui, c'est la meilleure de choses que tu puisses faire. C'est quoi la deuxième chose? S'il te fallait écrire que deux choses. S'il te fallait dire que deux choses, c'est quoi la deuxième des choses? Bartimée, Bartimée, prépare-toi bien. Tu risques de demander or et argent. Bartimée, Bartimée, est-ce que tu sais ce qu'il te faut? Vas-y, commence à lui dire la deuxième des choses. Mon père, mon papa, voici la deuxième chose que j'amène devant toi. Vas-y, parle-lui. Abba, papa, mon tema, et ton dit, Sami, n'a pas ça, aïe, Abba, papa, mon limon. Ezo danga oluka yoe oluka yoe mana ko tikateo kotambo lanayo osamo temana kolanda yoe mana ko lembateo kogumba melayo tinabo moina Abba papa motema namba etondi sami la posa na yoe Abba papa
mon limone. Ezo ganga oluka yo e oluka yo e kaila koti kateo otambo la yo osa monte mamba aba kola na yo e kaila kole bateo. Ogumba menayo tina bomoyina ba aba 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 papa aba 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 papa aba 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 papa aba. Et Lilian, dans mon corps, il n'y a plus de douleur. Et Lilian, dans mon âme, je ne sais me retenir. Et Lilian, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Lilian, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Lilian. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Tu hautes des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol. Et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et Lilian, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et Lilian, dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, et Lilian, dans tes bras, je prends de l'envol. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut.
c'est pour toi, Alléluia. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Cet amour brûle moi plus haut. C'est pour toi, Alléluia. La flamme de cet amour qui brûle moi plus haut. C'est pour toi, Alléluia. Oh, yeah. C'est pour toi, Alléluia. C'est pour toi, Alléluia. Je lève ma main, c'est pour toi, Alléluia. Si je lève ma main, c'est pour toi, Alléluia. Si tu m'entends chanter, c'est pour toi, Alléluia. Et si je pousse ton cri de joie, c'est pour toi, Alléluia. Et si je chante, c'est pour toi, Alléluia. Et si je danse, c'est pour toi, Alléluia. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Alléluia. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Alléluia. Dans tes bras, je prends de l'envol. Dans la flamme de cet amour qui brûle en moi. Ma jeunesse est pour toi, Alléluia. Quand je ne veux pas en boîte, c'est pour toi, Alléluia. Tu sais, quand je m'arrête de boire, c'est pour toi, Alléluia. Quand je ne vis pas comme le monde, c'est pour toi, Alléluia. J'accepte tes différences, c'est pour toi, Alléluia. C'est pour toi, Alléluia. C'est pour toi, Alléluia. Reçois ma louange, reçois ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. Oh, reçois ma louange,
reçois ma louange. Quelqu'un une louange à rendre au Seigneur ce soir. Oh, reçois ma louange, reçois ma louange. Des paroles pleines de charme, bien dans mon cœur, Seigneur. Reçois ma louange, reçois ma louange. Et je dis mon œuvre pour le roi des rois. Reçois ma louange, reçois ma louange. Que ma langue soit comme la plume d'un appui, l'écrivain. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Pour confesser ses louanges, son grand nom pour toujours. Reçois ma louange. 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 Thank you.
Il est ici, il est ici parmi nous. Il est là, je le sais. Il est là, je le sens. Rafraîchissement spirituel, ce vent de restauration de l'homme intérieur, ce vent de réparation des brèches.
Jésus est au milieu de nous en cet après-midi, dans cet endroit, en ce moment, là où tu te tiens. L'Esprit de Dieu est là et il veut faire un travail qu'aucun autre ne peut faire. C'est pour remplir le cœur assoiffé, le cœur qui réclame. Le cœur qui reconnaît sa bonté. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu vis cette expérience? Il y a des cœurs qui cet après-midi se disent: fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Il y a des cœurs qui répètent ça à Dieu. Que ça soit réel, que ça soit authentique, que je vive cela. Que je le dise tout haut. Je veux te vivre moi aussi. Je ne veux pas partir et dire c'était bien. Je veux repartir avec un témoignage fort. Je vais briller. Est-ce que tu récupères les lampes brisées qui autrefois ont brillé et qui se sentent complètement brisées? Il le fait. Parce qu'il n'éteint pas la mèche qui fume, il la rallume. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Reconnais que tu peux tout. Dieu qui est en train de passer ici dans cette pièce. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Vous savez, je suis garanti que sa gloire est ici. Vous savez comment je le sais? Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Avant d'aller plus loin cet après-midi, je voudrais prier pour ceux qui sont venus ici pour être rafraîchis. En venant ici, votre but c'était de vous dire, je me sens rouillé. J'ai des syndromes, j'ai des symptômes de quelqu'un qui est épuisé. Je n'ai pas perdu le chemin du Seigneur, mais je me sens épuisé. Les mêmes choses qui me passionnaient ne me passionnent plus. C'est comme si je me sentais désillusionné des choses de Dieu. Dieu, rafraîchis-moi. Je sais que je ne l'ai pas encore. Je sais que je n'ai pas encore touché ce que j'attends. Mais je ne veux pas avoir l'impression que c'est faux. Je veux croire encore comme un petit garçon, une petite fille. Je veux avoir encore cette foi enfantine.
En cet après-midi, le Seigneur aimerait t'accorder ce rafraîchissement. Je sais que vous êtes là, tout ce que je vous demande, levez juste vos deux mains, je veux prier pour vous. Que le Seigneur vous rafraîchisse. Dans votre vie de prière, que vous soyez rafraîchis. Dans votre intimité personnelle avec Dieu. Que vos temps de louange tirent en longueur désormais. Quand vous mettez vos genoux à terre, que vous oubliez où vous êtes. Qu'une nouvelle flamme dans la recherche de Dieu monte encore dans votre esprit. Et que le Seigneur vous enflamme. Que les Écritures deviennent votre nouvelle vie, votre monde de joie. Devant la parole, que vous soyez remplis de plaisir de lire ce qui est éternel. Que les visions de l'éternel reviennent encore dans vos yeux. Tu peux luire à nouveau, tu peux luire à nouveau. Je voudrais prier pour une deuxième catégorie avant d'avancer. Ceux qui sont venus ici en se disant, j'ai perdu ma flamme, je sais quelle erreur j'ai commis. Je ne sais plus si j'ai le droit de briller. J'aimerais te dire, le diable est un menteur. Dieu ne se répond pas de ce qu'il t'a donné. Il aimerait t'accorder de briller, pas comme avant, de briller plus qu'avant. Ceux qui en étant venus ici disent, pasteur, si on regarde bien dans ma liste, on verra qu'il y a des choses que je regrette. Et je me dis, je n'ai plus le même éclat, je ne peux plus briller de la même manière. Est-ce que c'est possible de briller comme avant? Est-ce que je peux encore briller comme je m'en souviens avoir brillé autrefois? À ceux qui se posent cette question, levez vos mains, je vais prier pour vous. Et voici le bon message que vous devez savoir. C'est que la gloire du second temple, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu se prépare à faire pour vous maintenant, vous ne l'avez jamais connu avant. Et je m'en prie avec vous. Père, réparateur de brèches, c'est toi le réparateur de brèches. Sur mes frères et sur mes sœurs, cet après-midi je prie afin qu'ils se rendent compte que ton amour n'a pas de prix et que tu ne changes pas ta façon de nous aimer à cause de Christ qui est déjà mort pour cela. Je prie qu'ils brillent à nouveau comme jamais ils l'ont fait. Et que l'ennemi qui condamne leur cœur le lâche au nom de Jésus. Que lorsque tout ceci sera fini, lorsqu'on aura fini le concert, qu'ils retrouvent une joie perdue, une grande et immense joie qu'on l'a volée. Qu'ils retrouvent cette confiance en Dieu. Qu'ils retrouvent cette relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut rendre des acclamations, des cris de joie de nous? C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Descendre, le Fils de l'homme est en ce lieu. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi, Yeshua. Ah, ah, ah.
Yeshua, Hamashiach. Les choses changent, ici en ce lieu. Les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les pans de sa robe, les pans de ta robe, remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, Yeshua. Quand tu es là, ça se passe à l'instant. Ça n'a pas besoin d'être reporté. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Come on. Ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, en ce lieu aujourd'hui, en cet endroit, touché, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça arrive, ça se passe maintenant, en ce lieu, ici et maintenant, touché. Ça se passe ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, aujourd'hui, en ce lieu, dans ta présence, ici et maintenant, ton esprit là, touché. Ici et maintenant, dans la santé, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma famille. Juste toucher le pan de la robe du maître qui est en train de se reprendre en cet endroit. Vas-y, touche le pan de sa robe. Alléluia. Oui, ici, tout de suite, maintenant. Vas-y, touche le pan de la robe. Hein? Les pans de ta robe. Ah, remplis ce lieu. Maintenant, chantons-le très fort avec l'église. Comment?
ici et maintenant. Ça se passe. Élevons nos voix. Ici et maintenant. Toucher. Oh, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Prends tes propres mains, touche l'endroit où tu voudrais que ça se passe ici maintenant. Vous savez, il y a un nombre incalculable de choses qui peuvent avoir lieu ici et maintenant. Je t'assure, tu peux toucher tes poches et quelque chose peut se passer ici et maintenant. Tu peux toucher ton ventre et quelque chose peut se passer ici et maintenant. Tu peux toucher ta tête et quelque chose peut se passer ici et maintenant. Si et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Et si je te disais que la restauration se passe ici, maintenant, au moment où nous sommes en train de prier, quelqu'un est en train d'être rebobiné. Arrangé, réparé, reconstruit, rétabli, réanimé, rééquilibré. À travers toi, la famille est en train d'être restaurée. Les affaires sont en train d'être réparées. La relation avec Dieu est en train d'être restaurée. L'intimité dans la présence de Dieu est en train d'être réparée. Ce n'est pas demain, c'est ici. C'est maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Est-ce que l'assemblée peut le chanter avec force? Ici et maintenant. Ça se passe. Encore une fois. Encore avec foi. Juste avec les mains levées, comme un petit moment de silence. Laisse se passer ce qui doit se passer. Laisse se passer ce qui doit se passer. Parce que quelque chose doit absolument se passer ce matin. Laisse se passer ce qui doit se passer. Now, 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 now. Se passer ce qui doit se passer. Oh, gloire à Dieu. Il y a ce renouvellement d'énergie et de force dans ton homme intérieur. Ce n'est pas parce que ça a échoué une fois que tu es en échec. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes hommes perdent leur force. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire,
j'écris ma petite histoire à l'encre de ma larme, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ébloui, l'air remplit mon cœur pensé, envahi, en ta présence, mon âme se répand, épanouie, quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi. Plus mon être perd tous ses moyens, ébloui. Envahi. Ébloui. La gloire remplit mon cœur en seul. Envahi. Mon âme se répand, épanouie, quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, et plus tu avances vers moi, et plus mon être perd tous ses moyens, ébloui. Ébloui, ébloui, envahi, envahi, oh, ébloui, ébloui, oh, envahi, envahi. Préparons-nous ce soir à être éblouis, envahis, comblés, transformés, renouvelés. Peuple de Dieu, préparons-nous ce soir à être remplis, sans mesure, éblouis, transformés, touchés, bouleversés par sa seule présence. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé. Est-ce qu'avec nos mains levées, nous pouvons commencer à saluer la présence de Dieu et lui dire merci d'être au milieu de nous ce soir? On peut aussi prendre ces deux mains, les joindre, commencer à clamer et aussi ouvrir nos bouches, commencer à pousser des cris de joie parce que Dieu est au milieu de nous ce soir, parce qu'il entend nos prières et qu'il connaît le besoin de nos cœurs. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie parce qu'il s'agit de Jésus de Nazareth? Merci pour ta présence. Élevons nos voix, bénissons sa présence. Nous bénissons ta présence ce soir. Merci d'être ici au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons.
merci, Seigneur. C'est avec joie et avec gratitude que nous approchons de Dieu. Dieu est ici ce soir. C'est le meilleur moment de l'exprimer notre foi. Si tu crois qu'il est là, parle-lui comme quelqu'un qui est là. Oh, tu es là, mon Emmanuel. Tu es là, tu es ici. Je sais que tu es là. Amen. Brade, la meya kara brada la madia. De sa présence te prendre en charge. Tu es dans la maison de ton Père. Il va te prendre dans ses bras et ce moment va être inoubliable. Il va te mettre sous ses ailes et il va t'amener très haut, très haut, très haut, très haut. Ce soir, c'est un soir de rencontre, un moment d'intimité. Laisse-le faire. Dans mon cœur qu'on doit accueillir vraiment la présence de Dieu de manière honorifique. Ça doit être des acclamations qui vont rester continues pendant le moment. Prépare-toi à acclamer pendant longtemps. Prépare-toi à exprimer la reconnaissance de la joie pendant longtemps. Prépare-toi à mettre des cris de joie pendant longtemps. C'est vraiment pour Dieu que nous le faisons. C'est une façon de dire qu'il est là au milieu de nous. Ça dépend de comment on l'honore. Si on l'honore en tant que roi, il sera roi. Si on l'honore en tant que guérisseur, il guérira les malades. Si on l'honore en tant que l'omniscient, il parlera jusque dans les moindres des détails. Si on l'honore en tant que père, il répandra son amour dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut honorer Dieu ce soir? Ne te laisse distraire par rien. Juste tes deux mains, rassemble-les. Va très fort avec tes pensées tournées vers lui en disant c'est à toi, c'est pour toi, c'est pour toi que j'acclame, c'est toi que j'acclame. J'acclame comme celui qui vient d'entrer, oh, comme celui qui vient de marquer un but. Il a marqué un but, tu ne le vois pas, mais il vient de réaliser quelque chose dès le début de cette réunion. Il a commencé à réaliser des choses.
Ouais, laisse jaillir cette joie, laisse jaillir cette reconnaissance. Nous sommes déjà arrivés à la fin dès le début, parce que nous savons comment il finit ce genre de choses. Bandaraboye, biso tozo baluka peme na Jericho, yazo kwa isamuye, biso tozo beta milolo, yazo kuka bifelo. Jésus, 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 Jésus. Pour ce que tu as fait avant qu'on ne demande, pour le déploiement que tu as déjà assuré avant que nous puissions identifier nos vrais besoins, pour l'anticipation de Jéhovah Jireh avant qu'on arrive à la montagne, le bouquet est déjà prévu. Ah, c'est pour ça que nous acclamons. Je t'aime Seigneur, ton amour ne faille jamais, tous les jours. Dès que je me lève, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu en la bonté. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, chanterai la bonté de Dieu. Jésus, tu es élevé au-dessus. Jésus, 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 tu es élevé. Chante Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Chante le nom de Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé. Chante encore Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante à pleine voix Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. De toute force, confesse Jésus. Jésus.
tu es élevé. Au-dessus de tout. Je connais le nom que je confesse, c'est Jésus. 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 Tu es élevé. On peut s'attendre à rien ce soir si Jésus n'est pas encore élevé. Il faut donc qu'on prenne tout notre temps avec ça. Oh, Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous t'élévons. Azalina Boba,
lui toujours. Fais-en des paroles, élève Jésus. Je sais que tout ne va pas comme tu le pensais, mais Jésus est Seigneur. Je sais que tu as beaucoup de choses à lui demander, mais il est Seigneur. Je sais que tu as beaucoup de programmes, mais il est Seigneur. Ne regarde pas vers tout ce que tu as demandé, regarde vers le roi de gloire, Jésus, Jésus. Plus haut, nous élevons ton nom, Jésus. Il faut choisir devant qui tu vas fléchir. Vas-tu fléchir devant Goliath? Il n'est pas aussi grand que ça. Ne fléchis pas devant tes problèmes. Fléchis devant Jésus, 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 Jésus. Je suis sûr que tu ne manqueras pas de choses à dire sur tes problèmes. Comment tu manques de choses à dire à Jésus? À Jésus. Charme bien dans mon cœur. Je vais dire à Jésus des choses qui sont sincères. Ça vient du fond de mon cœur. Jésus, je t'aime. Et tu sais comment je conjugue ce verbe. Tu sais que je le conjugue à la manière des hommes. Avec les faiblesses de mon corps, je t'aime. Avec les limites de mon intelligence, je t'aime. À la limite de ce que je vois et de ce que je ne vois pas, j'aime l'invisible Dieu qui a comblé mon cœur et qui a rempli ma vie des parcours et des preuves de sa réalité. Quoi que je ne te voie, tes œuvres sont pourtant palpables. Je t'aime, Seigneur, et toute ma vie, tu as été si bon, fidèle, et toute ma vie, même dans les épisodes les plus sombres, ta fidélité a été une lumière. Dieu fidèle, comme toi, il n'y en a pas deux. Tu n'es pas dans une liste, on ne te cite pas à côté de qui que ce soit. Mon Jésus, mon tout, mon absolument
parfait. Jésus, Jésus, au-dessus des critères que les hommes peuvent donner, au-dessus des capacités que les humains peuvent te montrer, tu n'es pas dans leur liste. Jésus. Autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Yeah. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent ce soir. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Et que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait de toi. Jusqu'à ce qu'il y ait de toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, 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 oh Jésus. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, alléluia, oh, oh, oh. Te vota coutoudé, élection coutoudé, ya ya parlement coutoudé, élection coutoudé, mbona ngwende na yo. Campagne au batate, bon zambé na yo, contradiction, ouais, à la gâte. Alléluia. 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 Vota kutute, réunion kutu mon côté, et salama bona yo. Népotisme kutute, tribalisme kutute, aya ozala kase yo moko. La gangi humela. Oh,
saturé. Ole kiba, oh, eh, ay, ay, ole kiba, ole kiba, oh, eh, ay, ay, nanda, eh. Nako bikiza, nako sekwisa bon moya moto e silangala, eh. Ole kiba, oh, eh. La kopoti se komba kopesa mosala na moto bacha na suka ya liste ole kiba ole na bolokota mpe kopesa bisika o moto akana kite ole kiba yango na tato ni umela 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 ya na umela se kona se Ole kiba, goe, bango en toute chose. Ole kiba, goe, atabasangani bango nyonso. Ole kiba, goe, nakozongisa. Kimia na motema moto, wazala kina mbapota. Ole kiba, goe. Nako sekwisa sante ya moto amesana kakala na bakizie ole kiba nako songisa libala ya bato ekoma kikoka bwana ole kiba na tatoli umela e kaka bisiko zalaka umela se kona se na kwende Simo Humela, 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 tu es tout puissant. Ah, tu nous flattes pas quand tu dis que tu es omniscient. Tu nous flattes pas quand tu dis que tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu peux tout, tu es partout. Tu nous flattes pas quand tu parles de toi-même. Tu n'arrondis pas les angles, tu ne gonfles pas les chiffres. Tu es réellement Dieu, éternellement Dieu. C'est simplement vrai tout ce que tu dis de toi, Jésus. C'est simplement vrai.
Ta présence en ce lieu. En ce lieu. Tu es là, ça fait toute la différence. Tu es là. Tu es là. Je ne sais pas ce que vous avez amené comme problème ce soir. Mais si Dieu vous disait deux choses seulement, quelles sont les deux choses que vous voudriez présenter devant lui? On va commencer par la première. Nous venons dans des temps comme ça pour prier, pas pour regarder ce qui va se passer, pas pour capturer un peu de l'atmosphère et ramener à la maison. Nous venons pour une rencontre. Dieu, il est là, ici, avec nous. Alors, deux, regarde tout ce qu'il y a. S'il fallait seulement deux choses. Pasteur, j'ai beaucoup de choses à demander. Mon frère, je suis presque sûr, ma soeur, que tu peux le résumer à deux choses. Si lui, il peut résumer toute la loi en deux seulement. Mais ne va pas vite. Vas-y calmement. Ce serait quoi? Commence avec la première chose. Parle-lui parce qu'il est là, juste à côté de toi. Commence à parler d'abord à Dieu. La première de choses, c'est quoi? C'est la famille, c'est les parents, c'est la maison, c'est ta santé, c'est quoi? Commence à parler. Seigneur, je suis devant toi. C'est où? C'est ta vie spirituelle, émotionnelle, ta santé, c'est professionnel, c'est ton intimité avec Dieu. C'est quelque chose qui se passe dans ta famille. La première des choses, c'est quoi? Tu as Dieu devant toi. Tu as Dieu devant toi. Tu ne diras pas qu'il n'était pas là. Montre combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Ah.
Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. En Jésus seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Dans mes défis, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Vas-y, insiste. Oh. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Pareil. Quand ça brûle ou ça crie, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Hey, Tarababa, chétez les mots. Vas-y, insiste, vas-y. Laisse l'esprit t'amener à aborder le même sujet, mais autrement. Laisse l'intelligence de côté. Laisse l'esprit t'en faire aborder le sujet autrement. Il est dans mon camp, dans le combat. À mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de mien quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes sangs. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, ils savent. Avec moi, Emmanuel, je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Ané à papa, l'année à chéquer à côté.
Si tu n'as plus de mots, parle en langue. Il est possible que tu ne sais plus demander, tellement tu t'es plaint, tellement tu te souciais. Tu ne sais plus l'art de demander. Tu commences à mélanger doute, vol. Laisse l'esprit parler en toi quand tu ne sais plus dire ce que l'esprit t'a dit. Que tu es venu faire aujourd'hui sur le toko, si ce n'est pas pour venir exposer ce problème, c'est pour de temps comme ceci que tu as enlevé tes chaussures et que tu n'es pas sur une chaise mais sur une natte. C'est pour de temps comme ceci que tu as bravé les embouteillages. Qu'est-ce que tu étais venu faire? Ça, là. Réponds ton cœur devant sa face. La première chose, n'entends pas encore la deuxième, juste la première chose. Regarde-la selon l'angle de Dieu. Regarde ça, la chose selon l'angle de Dieu. Comment Dieu, tu vois ma situation? Regarde, moi je vois ça, j'appelle ça chômage. Comment toi tu vois ça? Dieu, donne-moi de voir ça comme tu vois ça. Moi j'ai un nom que je donne à ce que je vis. Toi tu appelles ça quoi? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Si tu voyais ce qui se passe, si tu savais ce que tu passes, c'est parce que tu sais comment moi j'appelle ça. Si je ne te vois pas agir, ça veut dire que tu appelles ça comment? Parce que moi j'appelle ça d'un autre nom. Yo ben nga onini, yo ben nga onini situation à santé na nga o. Nengo tala ka bana na nga o ben nga onini. Change d'angle de prière, ne prie plus de bas en haut, commence à prier de haut en bas, commence à prier selon le regard de Dieu, commence à prier comme un aigle qui perce les situations, ne prie plus en te plaignant, limité par l'intelligence humaine, puise dans la haute sagesse de Dieu, puise dans la révélation de Dieu. Dieu, comment tu vois ça? Dieu, pourquoi tu regardes ça comme ça? Donne-moi de voir ça avec tes yeux. Donne-moi de voir ça avec tes yeux.
Donne-moi de regarder ma famille avec tes yeux, ma femme, mes enfants avec tes yeux, mon pays avec tes yeux, l'entreprise avec tes yeux, mes frères et sœurs avec tes yeux. Je veux le regarder comme toi tu regardes. Moi je regarde et je suis fatigué. Moi je regarde et ça fait pleurer. Moi je regarde et j'ai mal au cœur. Comment tu continues à regarder ça? Comment tu gardes espoir? Moi je regarde et j'ai perdu espoir. Moi je regarde et je n'ai même plus envie de regarder. Moi je regarde et ça me fatigue. Qu'est-ce que tu fais avec mon âge? Moi je me regarde et je me fatigue. Qu'est-ce que tu fais avec ma situation? Moi je la regarde et j'ai dit j'en ai marre. Dieu, donne-moi de regarder ça avec tes yeux. Alors j'étendrai mon espérance. Alors j'allongerai mon attente. Alors je me réveillerai avec foi. Alors j'affronterai cela avec décision. Alors je serai rempli d'autorité comme toi. Je veux le regarder avec tes yeux. Il entend toujours le prière. Il entend toujours le prière. Des fois, on affronte la prière à la va-vite, on ne prend pas le temps de réfléchir. Chaque fois que tu pries, dis-toi que Jésus t'a posé la question comme à Bartimée, que voudrais-tu que je fasse? Ce soir, il t'a dit, que voudrais-tu que je fasse? Et il a demandé deux. Nous allons maintenant aborder la deuxième des choses. C'est quoi la deuxième des choses? C'est quoi? C'est dans quel domaine? J'ai une bonne nouvelle. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne puisse pas faire. Rien dans les cieux qu'il ne puisse pas faire. Rien sous la terre qu'il ne puisse pas faire. Il est le seul devant qui passé, présent et avenir défilent au même moment. Il peut corriger les erreurs du passé pour améliorer ton présent et ton avenir. Il est le seul qui peut le faire. Alors apporter ton problème chez lui, c'est la meilleure de choses que tu puisses faire. C'est quoi la deuxième chose? S'il te fallait écrire que deux choses. S'il te fallait dire que deux choses, c'est quoi la deuxième des choses? Bartimée, Bartimée, prépare-toi bien. Tu risques de demander or et argent. Bartimée, Bartimée, est-ce que tu sais ce qu'il te faut? Vas-y, commence à lui dire la deuxième des choses. Mon père, mon papa, voici la deuxième chose que j'amène devant toi. Vas-y, parle-lui. Abba, papa, mon téma, nanga. Et ton dit, Samy, n'a pas ça, aïe. Abba, papa, mon limon. Ezo danga oluka yoe oluka yoe mana ko tikate o kotambo lana yo osamo temana kolanda yoe mana ko lembate o kogumba mela yo Tinabo moinanga Aba papa motema nanga etondi sami la posa na yoe Aba papa
mon limone Ezo ganga Oluga yoe Oluga yoe Kaila koti kateo Otambo la nayo Osa monte mamba Aba kola Na kole bateo Koguba menayo Tina bomo inamba Aba, aba, aba papa Aba, aba, aba papa Aba, aba, aba papa Aba d'acclamer le Seigneur, tu fais bien, tu fais bien. C'est une denrée rare que l'homme peut fabriquer, mais aussi une ombre parfaite où tout le monde veut s'abriter. Soko sengi moto ngolue aebi nenga kope sote. Kasi soko pesi engolue Tale bele singona misunye Yango na yemba ngolu Na mona nulenge nyonso Ponanga Na yemba ngolu Na bika lulenge nyonso Na vinanga ngolue Na yemba Ngolube naemba Solo yangolu e banda wuta éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu, Zambakanisa nengani nyalongola moto na passion.
Emonani nanzela na Yesu akufi ne kulusi un po comme isango longo en action. Lelo ntozobi kantongo midi pokwa, c'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Ndekonanga na yemba ngolu amona lolenge nosu mponanga na yemba ngolu na bika lolenge nyonso na vina ngolu ehe. C'est très facile à chanter. C'est juste ça le refrain qui veut dire oh grâce, je chante la grâce. Ohé. Est-ce qu'on peut chanter encore? Na mérite te o Ngolwe. Et tout ninga molimo Ngolwe. Ngolu yanzambe mpona vinanga Ngolwe. Quand je pense au prix payé, un point en commun, oh, on a commis. Je compte avec mes doigts, on a comment calculer, voilà, mounion, soin zambé. Et comment gangi sanga, et comment yembi sanga, oh, goloué. Bande konanga, na mérite te, oh, goloué. Vous savez, c'est à des moments comme ça qu'on se rappelle aussi que, en réalité, ce qui était ma si yandenga, si na koufa kalao. Ce qui était ma si yandenga, si na beba kalao. Ce qui était. Batiana liste yaliwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe leki makasi héritier du malheur par le sang aveugle nga ko innocent kasi mokonzi monela ndimi ko kufela nga soki yote masia esi na kufa soki yote masia ndenga Sina be bakalao Soki ote Oh Soki ote Nyonso yanga Eko sanjula Okonzi Oyandima liwa polanga Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema ba efasa kateo ngolue nae mambo ngolue. Aïe, maman, n'a mérité, oh, Goloué. Oh, Goloué, yan zambé na vinanga, Goloué. Que même pendant quelques minutes, vous ne pouvez pas vous arrêter et dire merci à Dieu pour toute sa grâce dans votre vie. Juste des faveurs méritées. Ne regardez pas ce que vous attendez, ce que vous demandez. Regardez tout ce qu'il a déjà fait. Il n'avait pas d'autre raison de le faire. Rabeyata, rabeyata, rabeyata.
Demande dans mon cœur, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Toi qui reviens, j'aimerais t'exprimer toute ma gratitude. Je vais dire merci maintenant, avant que tu ne viennes. Pourquoi faisons-nous tout ça si ce n'est pas pour attendre ton retour? Un jour, tout sera tourné dans un autre sens. Un jour, il ne sera plus question d'avoir d'enfants, d'avoir du travail, d'avoir à manger ou à boire. Un jour, il sera juste question de te voir face à face. Où les carrières et les plans de carrière, ça ne voudra plus rien dire. Élever les enfants ou faire de l'épargne, ça ne servira plus à rien du tout. Parce que tout cela, ça va finir. Ce jour-là arrivera. Et c'est maintenant qu'on est prêt pour cela. Je le vis dans la gloire. Oh. Habillé en blanc. Marchant au milieu de chandeliers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Et les anges chantaient par milliers. Le cantique de l'agneau. Il était grand, il était beau. C'est tout. Oh oui, j'ai vu le ressuscité. Oui, je l'ai vu dans la gloire. Habillé en blanc, Jésus. Marchant au milieu des chandeliers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Et les anges chantaient par milliers. Le cantique de l'agneau. Et à Phila, on chantait par milliers. Le cantique de l'agneau. Yeshua, Mashiach. Yeshua, Mashiach. Yeshua, Mashiach. Yeshua marche. Yeshua marche. Yeshua marche. Yeshua marche. Alléluia. Tu mérites nos acclamations, Jésus. Tu mérites les louanges qui viennent de ton cœur.
Amen. Quelles que soient les circonstances les plus complexes de ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui sait tout et qui peut te révéler ce qui est caché. C'est une folie que de croire au Dieu de la Bible sans croire qu'il est capable de tout voir et de te révéler cela. Dieu parle jusqu'aujourd'hui, je vous assure. Dieu parle jusqu'aujourd'hui, individuellement à chacun. Alors nous, on faisait une confession pour dire que Dieu voit ici, à l'endroit où nous sommes. Et il y a cette façon de Lingala, en Lingala complètement plongé dans la prière des montagnes qui dit « Mi swanzambe zawe, mi swanzambe zawe, mi swanzambe zawe. » Alors, chez nous, à l'église, on a pris l'habitude chaque fois, quand on veut parler du fait que Dieu parle, de l'exercice des dons prophétiques, on a un langage qu'on aime dire, on dit « le ciel est clair ». Juste pour dire que tout ce que Dieu peut te montrer est disponible, ok? Sanctué de l'ancien au nouveau Dieu clair, Namaso à l'aube la bisoué. Aucune révélation n'est aussi puissante que les saintes écritures. Nzambé, Nzambé à l'obaka, Kalae, Akokiko l'aube l'angapelisus, Sokina Kotina l'usambu. Le ciel est clair, le ciel est clair. Venant du Père, le Saint-Esprit, Azotinda, Alobina Yokae, Atalisina Tatola, le ciel est clair. Le ciel est clair, Nazomona. Du Père, Nazoyokae, le Saint-Esprit, Azotindae, Alobina Yokae, Atalisina Tatola, le ciel est clair. Devant les tribunaux, il a dit Kobangate na kochana mote maninyo kolobe la bango. Les réseaux célestes en Jésus est disponible n'est-ce qu'agnon sotikanga na kanga mana lo samba est na zomona nom du Père, Nazoyokae, le Saint-Esprit, Azotindae, Alobina Yokae, Atalisina Tatola, le ciel est clair. Encore le ciel est clair. Le ciel est clair. Nazomonae, le nom du Père. Saint-Esprit, Azotinae, Alobina Yokae, Atalisina Tatola, le ciel est clair. Miswan Zambé Zawe. Miswanzambe zawe, Miswanzambe zawe,
sois à mes arrêts. Non, sois coucou, et puis ma cana poléléo. Zambalo sambo, amonaka na molilio. Non, sois coucou, et puis ma cana poléléo. Zambalo sambo, amonaka na molilio. Et l'okote atana coucou. Merci pour la Zambe a pili a kotanza Mayonyonso e bombanae Soki oluki na lo zambo Zama kope so avantage Monguna kobata mabamba mamba Kasi suka suka oko mona e Miswa zambe zawe Na lo zambo bandeko Miswa zambe zawe Na lo zambo bandeko Miswa zambe zawe Zawe Est-ce que vous avez reconnu le refrain? Alors, on va reprendre le refrain pour la dernière fois, qui dit: le ciel est clair, nous en monnaie, venant du Père, le Saint-Esprit. Azotinda, Azotinda, Alobina yokae, Atalisina tatola, le ciel est clair. Est-ce que vous avez compris ça? On va encore essayer. Le ciel est clair, Nazomone, venant du Père. Saint-Esprit, Azotindae, Alobina Yokae, Atalisina Tatola, le ciel est clair. Voilà, voilà, voilà. Chantez. Zwangae, Zwangae, Zwangae. Chantez-les d'abord, je vais l'entendre comme je l'avais entendu. Oh, bah, chaque débosse. La manière chante à la basse. Le débosse chute. Hey, hallelujah! Passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je veux. Ton regard, aide-moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté mes mots, tous mes mots, pour m'offrir moi-même. Oh oui, tu es à toi.
je me donne en parfum. Pour toi, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Pour toi, un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Pour toi, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, pour toi, un parfum qui chante, parfum qui danse, ce soir, un parfum qui étudie, va à l'école. Oh, un parfum qui chante. Oh, Nami Gabriel. Recevoir ça, il est en train de recevoir. Il reçoit et ta carrière et tes projets d'études. Il reçoit et ton CV et ton expérience et tes incapacités, tes infirmités. Il reçoit tes manquements. Il te reçoit tel que tu es, exactement comme ça. Yaya, yeah, yeah. Papa. Thank you.
cache-toi, cache ton prière pour Manaé. Se cacher, il y a un endroit sûr, c'est dans la sainte présence. La Bible dit même la terre ne peut pas l'atteindre. Ici chez lui rien ne peut rouiller, ici chez lui tout est protégé. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À ce moment ici il nous demande de nous cacher. Ce n'est pas juste nous cacher dans nos maisons, c'est de nous cacher dans sa présence. Je vais te défier ce soir à te cacher dans sa présence, à lui dire me voici à tes pieds, j'ai accepté de me cacher, de me cacher là où tu es, ici à ce torrent de vie. Oh Manaé, cache-toi ici, viens et cache-toi. Ici le lieu où ceux qui connaissent Dieu connaissent et bien connaissent l'adresse. Ils viennent se cacher. Amène ta famille, tes enfants. Venez vous cacher ici, Dieu est là. Venez vous cacher ici, Dieu est là. Ses ailes sont déployées pour recevoir tous ceux qui veulent se cacher. En plus, sous ses ailes, on n'est même pas confiné. On est juste protégé. Il a suffisamment d'espace dans sa présence pour prendre tout le monde. Nous allons commencer ce moment de prière par ça en lui disant je viens me cacher à tes pieds. Il n'y a pas de honte. Les justes accourent vers l'Éternel parce qu'il est notre secours. Il est notre forteresse. Je viens à toi, Seigneur. Je viens me cacher ici. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est un abri sûr pour quiconque lui fait confiance. Je te fais confiance. Ce soir, je viens me cacher à tes pieds. Je cours à tes pieds, Seigneur. Je cours. Je viens me cacher devant toi. Je viens me cacher. J'amène femme et enfant pour que nous nous cachions à tes pieds. Ces prières sont une cachette. Toutes ces prières sont une cachette. On vient vers la forteresse, la brissure. On vient se cacher ici. Là dehors, ça tue de partout. L'ange de la mort est en train de circuler. Mais ici, on est caché. Ici on est caché, dans ton amour on est caché, dans tes bras on est caché, dans le précieux sang de Jésus on est caché, dans l'œuvre, sous l'œuvre de la croix on est caché, dans l'alliance avec Dieu on est caché, on trouve un abri sûr ici, on est caché, loin des attaques du diable, on est caché, loin de l'inadvertance de l'homme, de l'inconscient de l'homme, on est caché, loin du visible et de l'invisible, on est caché, loin du virus, loin de l'intentionnalité des hommes dans l'affaire, et loin de l'inconscience des humains dans l'affaire, on est caché, ici je me sens bien, parce que j'ai une forteresse. J'ai un abri sûr, ici dans ta présence, je me sens bien, alléluia. Oh Manaé,
Vas-y. Caché ici, il y a de la place pour tout le monde. Nous venons pas nous cacher comme les hommes le font. C'est caché dans un grand vide, juste se cacher loin de ceux qui les attaquent. Non, nous nous cachons pas dans le vide. Nous venons à tes pieds, nous venons dans tes bras. Nous n'allons pas juste nous cacher à un endroit, nous allons nous cacher chez quelqu'un. Il nous voit, il nous entend, il nous connaît. Dieu est un abri, sûr et légiste, Yahweh. C'est notre moment de nous cacher dans ta présence. C'est notre moment de trouver un abri sûr, un lieu qui ne peut pas être contaminé. Oh, béni soit le Dieu dont la main n'est pas contaminée. Quand il me touche, je ne tombe pas malade. Par contre, je suis guéri. Quand il me touche, je ne suis pas contaminé. Par contre, je suis libéré. Oh, béni soit le Dieu qui ne vient pas chez moi et se lave les mains avant d'y entrer. Béni soit le Dieu qui n'est pas limité par les restrictions qui m'entourent. Tu es un abri sûr, chez toi je peux me cacher. Dans ta présence, il n'y a pas de l'eau pour se laver les mains parce que le sang a coulé déjà. Nous venons purifier, sanctifier, laver. Dieu ne craint pas mes microbes, ne craint pas mes virus. Ici dans ta présence, je suis le bienvenu quel que soit mon état. Bienvenue à cet endroit qui n'est ni Congo, ni Italie, ni États-Unis, ni Gombe, ni Lingwala. Cet endroit où c'est sûr. Qu'il n'y a pas de virus, c'est ce lieu où c'est sûr qu'on n'est pas en confinement, ce lieu où c'est sûr que tout le monde est en bonne santé. Dans ta présence, l'avantage que nous avons, nous chrétiens, d'avoir la présence de Dieu, c'est qu'on peut s'y rassembler sans se contaminer. Oh oui, on peut venir de partout, on peut dépasser 20 personnes. Chacun étant chez lui, on dépasse les 20 personnes et on ne se contamine pas. Parce que chacun chez lui se rencontre avec tout le monde, là dans la sainte présence de Dieu. Les portes de sa gloire sont ouvertes. Que nous venons parler avec lui en ouvrant nos cœurs sincèrement. C'est ce que Dieu nous demande de faire en cette période. Quand Dieu nous demande de nous cacher, c'est parce qu'il est en train d'agir. Quand le peuple d'Israël est resté dans leur maison, c'est parce que Dieu était en train d'agir. Seigneur, nous voudrons confesser et déclarer que le moment où nous nous cachons, c'est le moment où tu apparais. Alléluia. Nous voulons confesser et déclarer que le moment où nous nous cachons, c'est le moment où tu te révèles. Nous voulons confesser et déclarer que le moment où nous nous cachons, c'est le moment où tu te manifestes. Nous voulons confesser et déclarer que le moment où nous sommes en confinement à la maison, c'est le moment où tu déploies les ailes de ta gloire. Nous voulons confesser et déclarer que le moment où nous oublions, c'est ce moment-là que tu marques nos mémoires par ta gloire, par la manifestation de ta puissance. Nos familles sont cachées, notre Dieu se révèle. Nos corps sont limités dans leur mouvement, notre Dieu est en action. Nos moments où nous sommes cachés, toi tu es déployé. Alléluia. Au moment où nous sommes cachés, toi tu es manifesté. Oh, cache-toi. Quel beau message, quel merveilleux message d'apprendre qu'il m'a dit de me cacher à ses pieds, dans sa présence, lui ma forteresse, lui ma forteresse, lui mon abri sûr, lui mon lieu de cachette.
amis et Bomana. Ton église, ta santé et cache-toi. Cache-toi. Vas-y, Bomanae. Prends ta Bible à genoux en prière. Cache-toi. Viens ici, c'est le meilleur endroit. Bomanae. Et à genoux, vas-y, cache-toi. Cache-toi. Prends ta foi et entre ici. La prière, Omanae. Ne doute pas, cherche Dieu et cache-toi. Cache-toi. Il est ici, il te dit, Omanae. Prends ta famille, tes amis et cache-toi. Cache-toi. Sous le sang de Jésus, je t'en prie, Omanae. Sous l'œuvre de la croix, va et cache-toi. Cache-toi. Prends ta santé, ton avenir et ta destinée. Prends tes amis, tes proches et cache-toi. Cache-toi. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont contaminés. Parle de contagion, amène-le dans la présence de Dieu. Cache-toi. Où qu'il soit, même à Ewawapé, Bombaé. Fais confiance à Dieu et va, cache-toi. 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 Mais frère, il y a des moments où je ne sais plus dans quelle langue je dois parler, comment je dois formuler mes prières. Je préfère me cacher dans une langue que je ne comprends pas. Cache-toi. Viens ici, oh malade. Commence à prier, dis à Dieu, Père, je cache ma santé, je cache mes enfants, je cache mes journées, je cache mon travail, je cache mon entreprise, tout ce qui est à moi, tout ce qui s'identifie à moi, je cache tout. Je cache l'église, je cache mes parents, je cache, oh, mes beaux-parents, je cache ma belle famille, je cache l'église ici, dans la présence de Dieu, sous le sang de l'agneau. Je les prends, je les cache, moins de virige. Vas-y, cache-les là-bas, cache-les là-bas. Je cache Priscilla, je cache Doxa, je cache Grace, je cache Roland, je cache la neige, je cache l'église, je cache les BG, je cache mes parents, je cache papa, je cache maman, je cache mes frères, je cache mes soeurs, je cache mon beau-père, ma belle-mère, je cache mes beaux-frères, ma belle-sœur, je cache l'église, je cache mes amis, je cache les assemblées que je connais, je cache les gens que je ne connais pas, je cache les païens, je cache les chrétiens, je cache l'église au Congo, je cache l'église dans le monde, je cache la francophonie, l'anglophonie, je cache tous ceux qui te font confiance, et même ceux qui te sont étrangers, je les cache ici dans ta présence. Ambra de Maya de Chaka, Babro de Mambele de Yanaso, Palabra de, ici rien ne peut les atteindre, marquez des mots, même quand ils traverseraient la rue, rien ne peut les atteindre. Celui qui habite sous l'abri du trône repose dans l'ombre du Tout-Puissant. S'ils sont cachés dans ta présence, rien ne peut les atteindre. Ils tomberaient à leur gauche, 10 000 à leur droite. S'ils sont cachés auprès de toi, rien ne peut les atteindre. Après qu'ils aient lavé les mains, je les cache. Après qu'ils aient mis 1 mètre de distance, je les cache.
Après qu'ils aient évité le lieu de contagion, je les cache. Après qu'ils aient évité 20 personnes dans la masse, je les cache, je les cache. Je préfère en prenant là de même, ça les cache ici, sous le sang précieux de Jésus. Ici, sous le sang précieux de Jésus. Ici, dans la sainte présence de Dieu, je les cache. Je cache l'Église. Je cache la République démocratique du Congo. Je cache l'Afrique ici, loin des intentions des hommes. Des hommes mal intentionnés, loin de la mégestion, mais la mégestion des circonstances difficiles. On n'est pas habitué à ce genre de crise. Où irons-nous? À qui irions-nous encore? C'est toi qui as le refuge à propre. Je préfère isoler tout le pays dans un endroit. Où est-ce que nos pays isolés, tout un pays? Comment on peut séquestrer toute une nation, tout un continent? Où est-ce qu'on peut mettre tout le monde en confinement? Quel est le lieu où on peut isoler toute une nation? Je sais. Ici, dans ta présence, sous le précieux sang de Jésus. Ici, on peut y cacher les institutions. On peut y cacher les militaires, les policiers et les policiers qui sont là au front, devant cette situation, tout le temps au contact, sans nécessairement avoir les protections nécessaires. Oui, les médecins, on peut les cacher ici. Où cacher les médecins? Où cacher les infirmiers qui sont exposés à chaque instant? Où les cacher si ce n'est pas ici? Où les cacher, oui? Où cacher les chauffeurs qui conduisent des malades? Où cacher les agents de l'ordre? Où cacher les militaires? Où cacher les dirigeants des institutions qui doivent se voir à des moments de crise rapidement? Où cacher les agents de sécurité qui sont devant les portes de boutique, qui se rassurent que les autres se lavent les mains? Où les cacher eux et qui aident les autres à se laver les mains? Ici, je sais. Je les cache ici. Cache-toi. Viens ici, cache-toi. Cache-toi. Alléluia. Viens ici, cache-toi. Frère, ce soir nous sommes en train de confesser notre vulnérabilité. Nous sommes tellement vulnérables, mes frères. Alors cachons-nous. Il n'y a pas de honte à ça. Le premier réflexe que nous avons lorsqu'il y a séisme, lorsqu'il y a des balles qui crépitent, on cherche un endroit où se cacher. L'instinct de survie. Et vous savez quoi, nous sommes en train de nous battre contre un virus qu'on ne sait pas où il se trouve. Si le virus est invisible, notre lieu de cachette est aussi invisible. Si le virus est invisible, notre forteresse est aussi invisible. Il n'y a pas d'autre lieu. Sur aller, Seigneur. Cache-toi ici. Nous venons près de toi, Seigneur, toi qui gardes. Oh, mana. Toi seul qui peux. Bomba la. Protéger. Bomba libota. Bomba yaya leki. Papa, maman, moi, sinabana. Bomba bangwa wa. Viens ici et cache-toi. Transfert et coupé pas, c'est pas bon, ma moto. Non, non, bon, bah, c'est pas mota. Bon, bazoumé ma patte. Bah, ta moto, bah, ouéwa. Moutafani, gare, n'a si manzoto. Non, non, batte là-bas. Na mutu kwa kutu mtafani na plus na e babito matadeu na sima e bongo wewa bazo matadeu na sima baza kole nana bate na ba wewa bumana sezara likambosu kwa mabongo sezara likambosu ala 2 metre 1 metre de distance zame to kogate Seigneur, secours. Baxa quelque chose. Baxa doza bonzame na likambo. Baxa maana oza na tendance na Afrika pe na mboko kongo. Personne n'est à l'abri si ce n'est pas toi qui nous garde. Si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent. S'il te plaît, garde.
S'il te plaît, protège. S'il te plaît, cache-nous ici. Cache-nous ici. Cache-toi. Je viens ici, je te dis, cache-moi. Ah. Ici, je t'en prie, cache-moi, Seigneur. Ah bon, madame, je te demande, cache-moi. Venons Jésus.